Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous annoncer une excellente nouvelle. L'année dernière, l'association Egalaldia, qui gère un centre de soins pour la faune sauvage et qui est basée dans les Pyrénées-Atlantiques, nous a contactés pour que l'on prenne en charge deux cistudes qui ont été accidentées par des automobiles lors de leur passage sur des routes de campagne. Ces animaux ont été pris en charge par l'école vétérinaire de Toulouse, qui nous les ont ensuite confiés pendant plus d'un an pour qu'on puisse s'en occuper. Elles ont repris du poil de la bête, elles sont en pleine forme. Il est temps pour nous de les relâcher et c'est ce que nous allons faire en partenariat avec l'association Egalaldia. Je vous laisse découvrir ce moment qui est toujours extraordinaire pour nous et pour les tortues. À très bientôt au refuge des tortues de Bessières. Bonjour, nous représentons l'association Egalaldia. Donc, on avait récupéré l'an dernier deux cistudes qui étaient dans un état assez déplorable. Il y en a une qui donc, avait été récupérée dans un établissement spécialisé. Malheureusement, elle avait subi quelques maltraitances, on va dire. La seconde, elle avait été récupérée en bord de route, donc c'était aussi un choc routier. Malheureusement, on était dans l'impossibilité de les remettre sur leur secteur. La première, elle était sur un endroit qui était totalement clos, donc impossibilité de se reproduire et de se développer normalement. Et sur la seconde, elle se trouvait malheureusement sur une zone en travaux. La totalité de son territoire a disparu, donc on a décidé de les relâcher, donc un peu plus loin. Donc on a aussi pris la décision de les transférer sur le refuge des tortues avec l'aide de l'école vétérinaire de Toulouse. C'était des soins assez particuliers, assez techniques, donc on a pris cette décision. Comme ça, elles étaient entre de meilleures mains pour pouvoir avoir les meilleurs soins. Donc là actuellement on se situe sur la salive aux oiseaux, donc c'est une réserve naturelle, donc c'est surtout favorisé pour les oiseaux. Mais ici on se retrouve, donc on est sur un plan d'eau, donc c'est très favorable pour tout ce qui va être amphibiens, les tortues, et comme vous pouvez le voir dans les herbes derrière, il y a un paquet d'oiseaux qui sont en train de nicher. Donc c'est une zone qui est super favorable pour elles, c'est une zone qui est protégée, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits sur toute l'infrastructure, les câbles électriques, etc. pour favoriser au maximum la biodiversité et le développement de la faune sur ce territoire-là. Donc nous on a décidé de les relâcher ici car tout le plan d'eau ça va être très favorable grâce aux différents îlots qu'on peut voir sur l'arrière. Ça va leur permettre de trouver des refuges et tout autour il y a des zones aussi de tranquillité avec des terrasses et meubles qui leur permettront de venir se reproduire.